0945, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour l'épisode 5 sur Resident Evil 8 Village. On reprend directement à la fin de la dernière vidéo, hein, souvenez-vous. Donc on est arrivé dans le château, on a rencontré de nouveau Lydie Dimitrescu qui voilà, nous a bu notre sang, voilà, donc ça a l'air de se nourrir de notre sang, donc tout ce qui est lycan, vampire et tout ça, c'est voilà, c'est ce qui avait été annoncé, hein, quand le jeu a été, bah, avait été annoncé à l'époque, etc., que ça tournerait un peu plus vers les mythes, un peu comme ça. Alors, pas, donc je pense que ça doit venir d'un parasite ou d'un virus quelconque, tout ça, puisque voilà, on est quand même dans Resident Evil, donc qui commence pas à nous sortir des vampires ou autre, parce que sinon la licence partirait vraiment en cacahuète. Et donc on va devoir trouver les appartements privés de Lady Dimitrescu, puisque nous sommes toujours à la recherche de notre fille Rose, et on est dans les cachots, dans les souterrains. Et bah on est attaqué par des ennemis. Ah ça c'est bien. Ah, fort ménage. Ah merde, ah, j'ai utilisé un robot pour rien, ok. Colline. Ok. Ah faut vraiment... se refaire des missions de flingue. Hein. Attends. En fait, le problème, c'est que je sais pas si ça vient à l'infini ou non. Je crois qu'on va pas avoir le choix que de se refaire un peu de... Ouais, de munitions. Niveau santé, ça va. Ok. Ah, je vous dis, n'ayant rien fait, rien vu, pas vu de l'esplé ni rien, n'ayant pas fait les démos, ah, je peux vous dire que ça promet. Ok, donc il y aura toujours ce symbole là, un truc à insérer dedans. Il y aura... Bon, ça sent peut-être un truc de boss, c'est un cercueil qu'il y a au milieu là. Ok. Nous n'en serions pas là si Cassandra t'avait tué. Ah d'accord, ça passe à travers.
Non, par contre, je voudrais bien voir où est-ce que je vais, s'il vous plaît. Tu es au menu. Ça, c'est bon, ça. Oh! Putain. Le sang d'un homme. J'ai l'air. T'as réussi à prendre des trucs, ok. Où est-ce que tu vas, petit coquin? Tes balles ne font rien du tout. Ah, c'est ce que je vois. Par contre, la fenêtre, elle te fait. Espèce d'imbécile! Elle te fait quelque chose, hein. Petit insolent! Oh, tu t'attaquais à nous! Je ne te pardonnerai jamais, espèce d'ordure! Oh, enlève tes mains! Je vais te trancher la gorge et la remplir de verre. C'est tout ? Buste cristallisé. Ah, on l'a tué. On l'a tué ? Bon, apparemment, on n'a pas oublié d'objets avant. On va quand même retourner en arrière. Hein. Histoire d'être sûr. Mais d'accord. Bon. On va se faire un soin quand même. Ça, c'est quoi ça? Une bombe tuyau destinée à être lancée. D'accord. Ok, on va faire ça. Munition pour le fusil. Allez. Oh là là. Les touches, j'ai du mal. Hein. Ah, on peut... Ah si, faire pivoter comme ça, voilà. On laisse ça là. Les soins, les trucs... Ok, alors ce qui est bien, c'est que niveau cartouche de fusil, on n'en a pas utilisé, donc c'est plutôt cool. On a essayé de pas paniquer, on a mis quelques balles à côté, mais c'est pas bien grave. Enfin, c'est pas bien grave, c'est toujours des balles de perdu, mais... Mais. Non, non, ok. C'est juste que le mur, il est déglingué. Très, très bien. Et souvenez-vous du... Comment dirais-je? D'un des fichiers qu'on avait vu la dernière fois. Enfin, qu'on avait trouvé. Ça nous disait que... Ils aimaient pas trop quand les fenêtres étaient ouvertes. Et là, bah, ça a l'air d'être un peu clairement le cas. Ok, il n'y avait pas un truc là. On avait récupéré tout, les munitions, les trucs. Bon, on avait tout récupéré.
Alors, Carnet, ce château qui semble tout droit sorti d'un film d'horreur gothique est occupé par une sorte d'aristocrate immense et ses trois horribles filles. J'ai à peine eu le temps de commencer à chercher Rose, qu'elles m'ont attrapé et accroché comme du bétail. J'ai réussi à me libérer, mais la douleur était insupportable. Et ça, c'est ce qu'on avait trouvé la dernière fois. Très bien. Continuons notre aventure. Ça serait bien quand même qu'on trouve pas mal de. Comment dirais-je? Pas mal de ressources pour se refaire. Une autre servante a été envoyée au sous-sol. Son seul crime était d'avoir renversé un peu de soupe. Tout le monde sait ce qui arrive quand on vous envoie là-bas. Plus personne ne vous revoit. On vous vide de votre sang et votre âme est condamnée à errer à jamais entre ces murs. Je suis allé la chercher et lorsque je l'ai trouvée, la pauvre n'avait plus que la peau sur les os et elle était en train de ronger la carcasse d'un rat. J'ai peur d'être la prochaine. Ouais, ça. Effectivement. Ah, des munitions de flingue, ça c'est bon. C'est quoi ça? Ah, c'est la bouteille. Ah oui, Sanguis Virginis. Une bouteille décorée de fleurs d'argent entrelacées. Le vin semble avoir été mis en bouteille il y a longtemps. Alors on peut zoomer, hein, mais ok. D'accord. Objet clé, trésor. Alors, collier d'Inrid. Collier d'os utilisé pour chasser les mauvais esprits. Ok. Reste cristallisé de l'une des filles Dimitrescu. Ok. Examiner. Ok. Très bien. Mais on prend quand même tellement cher, hein. Mine de rien. Là, pour le moment, les recettes, c'était vraiment, vraiment calme à comparer à. Ah, attends. Quand est-ce qu'on va trouver ce rocher? Ah, qu'est-ce qu'on a là? Compensateur de recul. Ok. Modifier l'arme. Ok. Augmente grandement la. Oh! Augmente grandement la puissance de feu. Bah, bien sûr qu'on va. On va modifier. Hop là. Armurier. Ah, d'accord, ok. Les petits ronds là. Voilà, il y a un rond qui est clair maintenant. Donc, ça veut dire qu'il restera un autre élément à équiper au LEMI, le pistolet semi-automatique. Mais ça doit être le chargeur grande capacité qu'on peut acheter chez le Duc. Et là. Il y a bah pareil, il y a un élément qu'on peut acheter chez le Duc. Et ça, on verra ça un peu plus tard. Parce que là, on a assez pour augmenter notre mallette. Et c'est ça que nous ferons priorité. Hein. Ah bah voilà le crochet. Enfin! Ah non, d'accord, ça prend un élément. Ah, un outil permettant de rejeter des serrures simples ne peut être utilisé qu'une seule fois. Ah oui. Bah, on va l'utiliser ici. Hein? Ah oui, d'accord, c'est pas un truc qu'on a tout le temps en fait. Passe-partout, petit trophée, ok. Qu'est-ce qu'on a là? Ange en bois. Ah bah oui, bah. Heureusement que je l'ai utilisé là. Bon, du coup. Ok, et l'ange en bois, du coup, c'est. Ah non, c'est un statue d'ange minutieusement sculpté dans le bois. Ah, ok, c'était un trésor. Je croyais que c'était un objet clé, mais non. Ok. Non, pas de plante verte, non. Du coup, là, ça l'a mangé. Rien du tout, c'est verrouillé forcément. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire ça? Je ne sais pas.
tout cas, ils ont des meubles, des commodes et tout ça, très... très beau. Hein. Ah, mais peut-être qu'ils feront pas le même truc comme dans RE8, comme dans RE7, pardon, à nous foutre des objets vraiment cachés un peu n'importe comment. Ok, une cheminée. Pas de trésor. Ok, on va pouvoir déverrouiller, très très bien. Notre salle de sauvegarde la plus proche, elle est où? Buste des quatre anges. Ouais, là il y a un crochet, mais on n'a plus. Labyrinthe marchand, ok. Bah, je pense que. Ouais, je pense qu'on peut aller se permettre d'aller sauvegarder. À moins que. On a un truc à mettre là-dedans, bon. Donc la salle de sauvegarde, c'est ici, je crois. Hein. Ouais. Je vous propose de nouveaux services. Venez. Oui, on va te... Vous cherchez quelque chose en particulier? Oui, on va te parler. Alors, ça... On te vend. Vous n'avez pas mieux à me proposer. Crâne. On peut vendre. Buste cristallisé, 5000. Ah ouais. Bon, ça, je crois qu'on peut le vendre direct. Hein. Y a rien de... Très bien, c'est reçu. Normalement, le jeu nous le dit. Hein. Ange en bois. Bon, ça vaut 3000 quand même. Pas mal. Collier d'Inrid. Allez, t'es on vend. Vraiment, ça me paraît pourtant parfaitement honnête. Et voilà. Jetez un coup d'œil à mes derniers comme articles. Ça. On prend directement, voilà, l'inventaire arrondi. Revenez quand vous voulez. Oui. Ah oui, donc vous voyez quand même, hein, là, ça a vraiment rendi. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, attendez... Ah oui, non, il faut tout virer comme ça. Alors attendez. Voilà, les soins, on va les mettre là. On va faire du rangement. Comme ça, on s'y retrouvera bien direct. Voilà, les armes, on va les mettre un peu par là, voilà. Très bien, donc on a 5 cartouches. On a 5-5, donc on en a 10, c'est ça? Ah, attendez, pourquoi regrouper? Ça veut dire quoi? Bon. Ah, oui, oui. Que je veux bien acheter. Alors ça augmente la. Ça coûte 9000. Bon, ça, excellent choix. Attacher l'élément de modification, oui. Voilà. Donc ça on a plus assez. Ok. Donc stock 2. Non, il y en a 10 en stock. 2000. Ah d'accord, il en a plus que 2 en stock. J'étais sûr que vous achèteriez cela. Et en stock, il en a combien en stock? Encore 13. On va lui acheter tout ce qui est possible. On va lui racheter également un deuxième soin. Ça évitera justement d'utiliser nos ressources. Et puis, c'est tout. Est-ce qu'on peut améliorer quelque chose? Non. Ne faites pas attention à moi. Pour le moment, je pense pas hein, qu'il y ait vraiment quand besoin. Vous voulez. Voilà.
Voilà, ok. Comme ça. Tac, 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 ok. Ok, parfait. La sauvegarde qui va bien. Faut impossible d'utiliser ça ici. Une sorte de crâne. Ah mais non, c'est pour récupérer un truc. Très bien. Peut-être un truc à faire ici. Hein. Non, là il n'y avait rien, on était d'accord. Donc on a plus ou moins battu notre premier boss au final. Ah, ça on peut pas le voir ça. Ok. Ah oui. Donc ça faut rejeter. C'est dommage que justement le duc il nous propose pas de, justement de... d'acheter des crochets. Voilà, la porte est ici. Vestibule. Porte cochère. Ok, donc lui il s'est endormi, on s'en fout. Ah bah c'est peut-être cette double porte. Parce que celle-là elle est... Salle à manger. Ah oui non d'accord, ok. Salle à manger. Ok, donc on va remonter. Ah bah oui, c'était là qu'il fallait venir. Ah bah voilà. Tout simplement. La poudre noire, je prends. Bon. Niveau santé, j'ai jamais fait gaffe, mais normalement, on doit être bon. Ah, clé de la cour. La clé de la porte qui donne sur la cour depuis la salle à manger du château. Ah bah voilà, on a la clé. Impeccable. Alors depuis la salle à manger, donc c'est... Je prends. Donc là c'est fermé. Les bustes, évidemment, on peut rien y faire. Très très bien. Ah oui, voilà, c'est par là. Je te fais visiter. Quoi?
Mais t'es pas morte, toi? Oh, j'ai tellement froid. Ah, elle revient pas. Elle va pas revenir. Ok. Ça a mangé court. Ou alors, c'est quand on va revenir ici, elle sera là? Ou elle était pas morte aussi? Ah non, ça doit en être une autre. Ok. Ah oui, garde-robe. Ah oui, c'est vrai que. Vigne. Ok. Toit. Ah, il y a le toit, mais on l'a pas encore visité. Donc là, on est dans la cour. Détaché, on prend. D'accord. Une porte là-bas, mais celle-là on pourra pas l'ouvrir. Non, il va falloir une clé. Ok, donc il y a le truc ici. Ah. Oh, mais elle est partout, elle. Putain, mais les bretelles, ils sont tellement bien faits qu'on a l'impression que... J'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un avec moi, quoi. Ok, donc il n'y avait qu'une seule issue, du coup. Fluide chimique. Alors autant avant les fluides chimiques dans R7 c'était dans l'inventaire et là on a ce qui est bien c'est qu'on a plus trop à s'en faire. Donc des fluides chimiques on en a 6, c'est ça? Si je comprends bien. Et pour faire il faut de la ferraille. Ferraille on en a 5. Plante fluide chimique, poudre noire on en a 5, fluide chimique on en a 6 et on en a 7 de... Ah oui, et ça compte comme 2 ferrailles. Bah, voilà, autant s'en faire un petit peu, comme ça. Voilà, comme ça on a quand même quelques balles d'avance, c'est jamais perdu. Et Lady Dimitrescu, là, on est vraiment à ses fesses. Hein. Munitions pour pistolet, très très bien. On commence à être bien armé quand même. Hein. Mais les balles, ça part vite, hein, mine de rien. Parce que les ennemis, ils encaissent. Hein. Et on est en mode standard, hein, je vous rappelle. Alors, j'ose même pas imaginer en mode plus avancé. Je crois en plus... Que une fois le jeu fini, on débloque un mode de difficulté encore supérieur. Qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Ok, donc là on n'a rien.
C'est verrouillé. Carte du château. Ah bah bien sûr. Terrasse, appartement, Dimitris Kou. Ah bah on y est. On y est. Alors je sais pas, hein. On peut casser les comment dirais-je les fenêtres. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Mais faisons-le. Oh, encore des munitions de flingue. Attends, mais... On va être un monstre. Hein. Ok, parfois quand même il y a des trucs qui se. Ok. La texture qui a un peu de mal des fois. Poudre noire. Pas de trésor, enfin en tout cas j'en vois pas. Voilà, on est où? Bah on est au bon endroit. Une petite énigme. Parce que c'est vrai que normalement il devrait y avoir des petites énigmes. Hein, Ah, quand les femmes sont insensibles aux avances des hommes, les paysans que personne ne regarde remettent à leur seigneur le fruit de leur dur labeur pour que le vin puisse couler. Ok. Ok, une petite énigme. Très très bien. J'aime bien. Ok, alors attends. Tout va dépendre. Tout va dépendre de ça. Quand les femmes sont insensibles aux avances des hommes, les paysans que personne ne regarde remettent à leur seigneur le fruit de leur dur labeur pour que le vin puisse couler. Ok, donc les paysans. Attends. Quand les femmes sont insensibles aux avances des hommes. Que personne ne regarde. Bon, je sais pas du tout, je vais faire au pif. Non, de l'autre côté. Voilà. Oh, c'était vraiment au pif, hein. Hop. Tranquille, tranquille. Du coup, ça indique pas où est-ce qu'il y a des machines à écrire. Oh putain, on retombe dans les souterrains. Mais elle est passée par là du coup, Dimitrescu, parce que... Ah putain! En fait, c'est des flaques de sang, quoi. Alors, ça serait bien de pas mettre des ennemis, ou alors pas trop. Ça, c'est un ennemi. Ok, merci, au revoir. Ah bah oui, évidemment, on va être obligé de passer devant lui. Donc là, on est... Distillerie. Il y aura une porte, soi-disant, en face. Ah, c'était sûr, ça.
Il était là avant lui. Ah mais coco. Bon ça va. Il a pas eu besoin d'énormément de balles. T'es tout seul ? Ok. Putain. Raté. Ça donne des cartouches du fusil, ça c'est bien. Ah d'accord, on pouvait passer par là. Ah, on peut maintenir. Mission pour pistolet. Ouais. Ah oui, mais ils ont qu'à faire le tour au final. Donc ça sert pas à grand chose. Après, c'est peut-être plus compliqué. Mais on va laisser ça pour plus tard. C'est un peu la panique. Hein. Allez, venez là. Alterne. Putain mais les gars, les munitions, vous me les laissez pas? Bon, niveau santé, on est encore bon. Ok, des munitions de flingue, c'est bon. Ça servait à faire le tour. Ah, peau de renard, ok, heureusement que je suis revenu.
Ok. Évidemment. T'es caché, hein? Voilà. On récupère nos munitions, donc ça c'est cool. Plantes. Donc ce qui est cool, c'est que les plantes, on peut en avoir. Un infini, là, c'est vrai. Ça change un petit peu, hein, pas quand même, hein, par rapport au. Au précédent Resident Evil. Ah zut. Oh non. Oh, j'ai une zone que j'ai pas pu. Regardez. Ah, je suis vert. Mère Miranda, j'ai le regret de vous informer qu'Ethan Winters a échappé à cet imbécile d'Eisenberg. Car il est dans mon château et il donne beaucoup de fil à retordre à mes filles quand je le trouverai. Non, Mère Miranda. Oui, bien sûr, je comprends l'importance de la cérémonie. Vous pouvez compter sur moi. Oh diable, cette cérémonie! Cet homme va payer pour tout ce qu'il a fait! Ah. Alors que pourtant, pour le moment, on a. On a rien fait, hein. Ah, mais je suis dégoûté, hein. Je voulais aller. Bon, il y a une zone qu'on. Qu'on n'aura pas pu visiter. J'espère que c'était pas genre il y avait une machine à écrire là parce que. Parce que ça serait dommage. Alors, Mère Miranda nous a tous convoqués pour que nous discutions du sort du père de l'enfant. J'ai la nausée rien qu'en pensant à cette réunion de famille. J'ai horreur d'être traité comme la sœur de ces misérables, surtout Heisenberg. Ce faquin ne connaît pas les bonnes manières. Je l'aurais découpé en morceaux si mère ne m'avait pas arrêté. Pourquoi me traite-t-elle comme les autres? Elle m'a pourtant donné ce château, des filles obéissantes et la vie éternelle. Ne suis-je pas sa préférée? Ne suis-je pas spéciale? Je crois que j'ai besoin d'un verre. Ah ouais, donc en plus elle est alcoolique. Où es-tu? C'est verrouillé. Ouais, ok. C'est verrouillé de l'autre côté. D'accord. Il faut que je sorte Rose de là, ouais. C'est verrouillé de l'autre côté. Clé de Dimitrescu. Ah, mais je peux rien faire là, je suis bloqué. Oh, me dis pas que l'objet était là-dedans. Bah non, ça serait pas logique.
C'est vrai de l'autre côté, mais là on peut rien faire. Y a pas un passage secret ou je sais pas quoi. Non, je vois pas. Hein. Parce que attends, si c'est verrouillé de l'autre côté, y a pas un moyen de. Traverser. Bon alors j'ai oublié un objet important et bon bah écoutez les amis, je vais chercher de mon côté si vraiment je trouve pas. Je regarderai qu'est-ce qu'il faut faire parce que là ça me semble bizarre que je n'ai rien pour m'aider en fait. Ah, attends, clé. Attends, clé Dimitrescu. Ça. Oh putain. D'accord. Ah oui, donc ouais non, fallait juste mieux regarder. OK. D'accord, donc maintenant on a la. Ah bah oui, non, on a la clé ici. Voilà. Ah! Te voilà. Tout ça pour une enfant qui ne se trouve même pas ici. Mais qu'est-ce que vous. Ah! Espèce de misérable créature ingrate! Tu t'invites chez moi! Tu poses tes sales mains répugnantes sur mes. Et maintenant, voilà que tu essaies de dérober ce qui m'appartient. Comment oses-tu? Profite de cet instant de répit, parce que je vais te traquer et je vais te détruire. C'est ça, et c'est toujours. D'accord, et évidemment, il faut qu'on soit encore dans ces. Ce souterrain là. Ok, bon écoutez les amis, on va s'arrêter ici, hein, pour cette vidéo. J'essaie hein, vraiment de pas faire des vidéos trop longues, mais il se passe tellement de choses aussi que là c'est compliqué. Hein. Là c'est compliqué. Donc j'espère que ces vidéos vous aura plu. Hein. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, le petit soutien, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. C'est important, c'est gratuit et ça aide vraiment. Et si vous voulez me voir souffrir encore plus, eh bien n'hésitez pas. Voilà. Allez, on se quitte. On se quitte ici. J'essaie de voir s'il n'y a pas une machine à écrire, mais. Ah ouais, non, cachot. Vu la zone. Ok, très bien. Je sens qu'on va s'amuser. Allez, à très bientôt les amis. Ciao, ciao.